Il a fait. Mais ouais, faut. En fait, dans les règles dans Pathfinder, il y a beaucoup de choses qui se passent par les traits, et c'est vrai que moi j'ai tendance à pas regarder les traits. Et tu Alors, vois. maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent par les traits. Ouais, non, mais oui. Sur... Dans Pathfinder 1, il y en Oui, avait beaucoup moins. mais oui, je parle du coup de Pathfinder 2, oui. C'est vrai que j'ai pas ce réflexe. Du coup, vous voyez votre commanditaire d'une certaine manière, complètement. Ah, mais moi, je me retourne vers le personnage de Ronin et je fais, tu peux soigner ça? En montrant ça par terre. Alors ça me dit qu'il y a une erreur de macro. Oui, bah Sachez-le. après, après... Non, mais c'est peut-être... J'ai pas droit aux effets magiques, c'est ça? Non, t'as pas le droit. Non, mais... Faudra que je modifie, mais c'est le script que j'ai utilisé. Ah, pendant ce temps-là, est-ce qu'il n'y a pas des choses utiles dans cette pièce? Donc je refouille un peu mieux la pièce pour voir s'il n'y a Alors... pas des objets qui traînent. Bah, test de perception, hein, pour... Oui, et je l'ai pas fait en cachet, j'en sors du pantalon, j'ai cliqué sur lancer. Alors, attends, je vérifie... Oui, mais on s'en fout, on s'est passé outre. Non, tu ne vois rien de spécifique dans, notamment dans le bureau où tu vois des paperasses, des trucs. Je fourre une liasse de paperasse dans ma poche. Une liasse au hasard en mode, ça sera toujours pratique pour faire un feu. Ok. Du coup. Ah, du coup, moi j'attends que. Qu'on en fasse ça, hein. Donc, On est toujours considéré comme en combat, il y a toujours le turn ah order oui, quand j'ai un peu. ah, excusez-moi, j'ai plus l'habitude de. Non, je t'ai dit ça parce qu'en fait, au moment où j'ai voulu me déplacer, j'ai vu qu'il me disait, tiens, les mouvements. Voilà. Du coup, attends, t'as passé du temps à fouiller, donc tu ne te déplaceras plus. Oui, non, mais de Ok. toute façon, je comptais rester dans la Ah, pièce, hein. ouais, C'est juste non, que je oui, place mon ok. token dans la pièce. Du coup, tu récupères 2D8 points de vie. Pim. Ouais. Sachant que du coup je t'ai soigné en te foutant de la boue sur tes blessures. Magnifique. Et du coup, hop. Du coup, j'enlève mes états de Oui, mort. tu enlèves tous tes états et vu qu'il t'a récupéré en te donnant des points de vie, tu n'as même pas l'état blessé donc. Ok. Du coup, tu te relèves difficilement après Là, après le j'y étais presque. la boue qui J'étais presque ressoude les sur os. le point de mourir. Ouais, on peut dire ça. Ah, au moins tu aurais rejoint tes compagnons. Mais comment vous avez fait, vous, pour revenir comme ça? Je sais pas. Aucune idée. Le dernier souvenir que j'ai, c'est d'être dans une forêt et de l'avoir rencontré l'autre. Ouais, moi je me suis réveillé plutôt dans une tombe. Ou un mausolée. Ou un donjon. Je sais pas trop ce que c'était. Ouais, c'était 19, c'est bon. Attends, est-ce que je pense. Non, ça doit être par rapport à l'état blessé. Parce que du coup, j'ai vérifié. Hein. Compétence soignée. Tac, tac. Parce que c'est un des morts vivants, non, pas celui que j'ai soigné. Ah. Pas celui que j'ai Ah soigné, non, monsieur non, non, David. non, mais il est pas mort vivant, il est bien vivant. Hein. Allez, moi je suis un grand bien vivant. Hein. Ouais, pourtant, il est proche de nous ressembler hein, à chaque fois. Ah, Le nombre de j'avais fois eu où je peur suis d'avoir fait une tombé, bêtise. on pourrait le croire, hein, mais. C'est l'homme corbeau là. Non, c'est un homme chat. Ça se C'est voit celui pas, avec mais. le token d'homme corbeau là. Ah non, si tu zoomes, tu vois que c'est un chat, mais il faut vraiment bien zoomer vu qu'il y a un masque. Et en plus, tu m'avais pas dit que l'action de comment ça s'appelle? De médecine, soigner les blessures, c'était neutre. Donc même si c'était des morts vivants, il serait pas pris de dégâts. Il me semble, hein, du coup, après.
Je sens que tu m'avais dit parce que j'avais fait la bêtise avec l'autre table. Soit négatif, on est blessé par les dégâts positifs. Oui, mais c'est pas de l'énergie positive le fait de te soigner comme ça avec soigner les blessures. Ah, non, oui, soigner les blessures comme ça, non. C'est la médecine. Donc, c'est normal. Écoute, tout est parfait. C'est pas magique. Ok. Nickel. Ça va, je fais pas trop de bêtises. Enfin, tu peux, mais juste qu'il faut. C'est à vous! Il faut que tu retires la pause. Ah oui, pardon, excusez-moi. Là. Non, c'est... Non, du coup, on va par où? À partir de là, je ne connais rien, donc... Pas autant prendre la porte au fond de la salle. Hein. Alors, j'ouvre la porte discrètement pour jeter un coup d'œil. Bah, test de discrétion. Ouais, c'est ce que je fais. Bah, tu veux que je le fasse en cachet ou tu t'en fous? Hein? Ouais, je m'en fous. Donc j'ouvre la porte, hein, donc ouais. J'ouvre la porte réellement, voilà, et je jette un coup d'œil dedans, donc j'ai de perception, ouais. Visible uniquement par l'OMJ, voilà, comme ça. Et une fois que j'ai jeté le coup d'œil, je referme la porte. Ah bah, J'ouvre la porte, je referme la porte, j'ai jeté un coup d'œil entre temps. Voilà. Je vais juste faire un truc, hop. Excusez-moi, mais je me dois d'être honnête, je n'ai pas rendu de PV à PIM. Ah! Je ne suis pas qualifié en médecine. Ah! Donc tout ce que j'ai pu faire, c'est le stabiliser. Ah! Dommage! Retourne la tête. Ah, j'avoue, j'ai pas vérifié que c'était qualifié en médecine. J'enlève les 5 points là. Du coup, tu as juste stabilisé? Ah bah c'est tout ce que je peux faire. Bah, du coup t'as l'état blessé 1. Pim. Pam 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 pam. Il est trop net. Tu vois, il y a des trucs que je vérifie pas. Hein, donc. Bah là j'étais en train de regarder d'où venaient les deux DOI PV. Hein. Bah c'est de la compétence soigner les blessures, mais ouais du coup... Ouais mais du coup forcément, ouais. En allant voir j'ai vu que c'était qualifié et donc ça j'ai pas droit. Ouais, mais du coup ouais, c'est... en plus moi vu que t'es... T'es un druide, tu vois, je pensais que t'avais pris... Ah mais, attends mais t'as pas un truc qui te permet d'utiliser la nature justement pour remplacer tes tests de médecine? Vérifie dans ta fiche. Je crois que t'avais pris un truc comme ça. C'est pas impossible, mais là j'ai utilisé la médecine. Ouais, ta médecine naturelle, du coup tu peux utiliser nature. C'est ce qui me semblait, ouais. Et du coup t'es qualifié en. T'es qualifié en nature, oui. Ouais, voilà. Voilà pourquoi t'avais pas qualifié en médecine. Du coup. J'ai envie de considérer que. Vas-y, refais un test du coup de nature. Sauf si t'avais vraiment envie que Pim meure. Ah, c'est pas qu'il a vraiment envie, c'est qu'il... Oui, non, mais si, je l'ai vu, ta médecine naturelle, Ronin. Ah, ok, ok. Ça, je me rappelle quand même de vos fiches de perso, un minimum. Hein. du coup, tu peux récupérer de tes vies. Relance de D8, fait mieux que 5, Pim. Non, mais ils sont trop honnêtes, hein, c'est... Ah ouais, il a dit. Ah oui, oh. Quand il existe la nature, ça va mieux. Ouais, tu sens ouais, qu'il est plus compétent, tu vois, en utilisant des techniques naturelles, de l'homéopathie. On veut pas dire ce qu'il a utilisé pour faire le mélange qu'il a appliqué sur ton corps. Du coup, tu peux t'enlever l'état blessé. Oui, on était récompensé. Alors, je pense que, je sais pas si Pimchon il l'aurait dit, mais en tout cas, bon, il s'en tire bien. Ok, du coup, toi t'avais refermé la porte, Abora. Ouais, ouvert, j'ai jeté mon coup d'œil et j'ai refermé la porte. À toi de voir après si j'ai bien repéré les choses importantes ou pas, vu que j'ai fait ça dans la rapidité en mode. Ouais, après, globalement, oui, t'as vu qu'il y avait quelques rats dans la salle. Alors. Et t'as aussi, en ouvrant, en ayant ouvert la porte, t'as aussi noté déjà d'une. Qui, l'odeur n'était pas très agréable à tes narines.
Merde, et... pour que l'odeur soit pas agréable à mes narines, c'est vraiment que ça pue. Et tu as vu quand même aussi qu'il y avait pas mal de poussière sur les rayonnages que t'as pu observer. Ok. Alors je me retourne et je dis, mon Dieu, l'odeur dans cette pièce m'a fait perdre l'odorat et mon nez. Ah non. Pourquoi ça sentait la vie? Je sais pas, c'était une odeur que j'aimais pas. C'était une odeur vraiment insupportable pour mon nez. C'était donc pas de la bière ni du rhum, sachez-le. Ah, oh, mais franchement, Grook, tu me déçois, j'aime aussi l'hydromel, le whisky, l'eau de vie. Ouais, mais c'est plus rare, t'en trouveras. Attends, mais du coup, comment tu fais pour boire, toi? Bah, de la même façon que dimanche. Je bois, j'ai pas dit que je gardais ce que je buvais. Le mec, comme t'as dit, ne rien fait, je prends toujours deux verres, un vide, un plein. C'est ce qu'on appelle le... Pour un mort, c'est étonnant. C'est ce qu'on appelle le vase sans fond, c'est ça? C'est ça, les vases communicants. Vous mettrez votre meilleur cidre. Vous mettez votre meilleur cidre et un seau, pourquoi faire? Mets le seau dans les côtes. C'est bon, je peux boire. Non, j'imagine t'es mort. Ah putain, je suis plein. Attendez les gars, faut que je vide le seau. Faut que j'aille me vider. Ouais, mais est-ce que, du coup, si tu prends de l'alcool, est-ce que ça ronge pas tes os? Ça, tu vois, non. Non. Bah déjà, l'alcool, est-ce que ça ronge? Bah un petit peu, hein. Ça... Ah bah, avant que ça ronge les os... Bah si tu vois beaucoup... longtemps ou que ça soit l'alcool bien fort. Nous avons potentiellement un chimiste parmi nous. Ah oui, c'est vrai. Non, il t'en faut une quantité astronomique pour que ça ronge réellement, hein. C'est... Tu veux un truc qui ronge vite, c'est de l'acide sulfurique. Oui, bah, tu veux voir un peu d'acide sulfurique. Ouais, peut-être que sur les années, si tu n'entretiens pas l'os un minimum, sachant qu'on s'en tient quand même, parce qu'on reste malgré tout des vivants, excusez-moi du terme, on va s'entretenir un minimum. Donc, voilà, la possibilité de corrosion est inexistante. Ok, bon, l'instant chimiste. C'est ça, merci Jamy. Du coup, bah, c'est et à sinon, vous. Sinon, il y a à manger pour le chat. Manger pour le chat? Ouais, j'ai fait. Ah, j'allais demander si c'était à manger naturel ou à manger comme. Comme le truc qu'il a dû mordre pour sauver notre ami. Ah, mais ça aussi, ça se mange. Pas pour un chat. Oh, bien découpé. On teste la viande, on prend les os et tout le monde est content. Ouais. En plus, je te raconte pas les petits os des doigts, là, les doigts de pied. En plus, là, sur les papates, ça doit être délicieux. Bon. Tout le monde est prêt? Voilà, j'ai rechargé. Ça, il est en train de décéder, il finira pas le truc. N'oubliez pas qu'il y a 2000 points pour le Védic. Là, on t'entend pas, tu t'es mute. Ah non, j'ai juste parlé très, très, très bas. Il a dit, oh putain, je vais crever. Il a décidé de rejoindre notre bande de morts vivants en groupe. Il était là, oh mais c'est quoi ces pécores que je suis allé chercher, hein. C'était les meilleurs du lot, hein. Ben, je suis parti en disant, je vais chercher mieux que ceux qui sont morts. Je me ramène ça, ils sont déjà morts. Après, là, il a pas cherché bien longtemps, hein. Oh, tout le monde est prêt? Je peux ouvrir la porte? Attends, je rengaine d'abord ma dague et je prépare mon arc avec une flèche. Voilà. C'est bon ? Eh ben, j'ouvre la porte ! Et j'ouvre la porte. Bon, du coup, je considère que... Est-ce que tu le fais de retour discrètement ou pas ? Ah non, là, j'ouvre la porte ! Ok, ben, du coup... Baston ! Bah non, mais j'ai prévenu qu'il y avait des rats, donc on savait qu'il allait y avoir de la baston. Ok, non, mais c'est bon, ben, Inni.
Tu ne chanterais pas la petite chanson du rhum de je sais plus qui là? je suis désolé les gars, hein, j'ai pas suivi la lignée que vous avez faite du 19-20-21. Honteux. Ouais, non, mais je suis déçu. Hein. Je sais, non, mais j'ai lancé en premier, je m'en suis pas rendu compte que je suivais pas. Allez, bah c'est à vous. Ah, c'est à moi. Du coup, je vais avancer jusqu'au premier rang. Oui. Hop, impossible. Ah putain, parce qu'il y a la porte. Alors hop, hop. J'essaie de lui mettre un déluge de coups, hein, comme tout à l'heure. Ok. Donc, juste pour signaler que je fais cette action. Hein. Donc, la première fois. Attaque. Putain, j'ai perdu mes attaques. C'est dommage. Ouais, non, mais qu'est-ce que tu veux, je perds la tête. Je ne relèverai pas. Yes! C'est un critique. Alors, en tant que MJ, je vais faire un jet de réflexe pour pas perdre vraiment la tête. deuxième okay. Attaque. Donc, dégâts, coup, la deuxième ne touche pas. La première touche, tu peux faire les dégâts critiques. Merde, j'ai fait dégâts d'un normal. Ça... Bah, multiplie par deux. Hein. Bah, ça fait 8. Du coup, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il peut sélectionner double bah, du coup, oui. Pour les dégâts. Et tu vois la créature inanimée devant toi. Et du coup, les rayonnages les empêchent de passer ou... Non, en te faufilant un petit peu, alors je te fais pas te faire de test d'acrobatie ou pour te faufiler entre, tu peux passer. Oui. Attends, les rayonnages ils sont pleins ou pas? Hein? Mais du coup, attends, tu veux passer à travers ou tu fais le côté? Non mais ils sont pleins ou pas justement les c'est des gros rayonnages ou c'est des petits trucs des petites étagères de c'est des étagères tu vois avec des bouquins tu vois sur sa crayon donc oui Ok je fonce dedans et je veux les taper pour que ça fasse un effet domino. Je savais. vas-y alors fais-moi du coup un test d'athlétisme. Je me déplace là pour dire que je me suis déplacé pour leur foncer dedans et athlétisme. Je sais pas, je vois l'occasion potentiellement mais de non, faire mais... un domino. J'essaye. Alors, là... J'ai pas pris aussi lent, tu peux considérer ça, hein, puisque du coup, j'étais assez proche. Non, mais du coup, tu réussis en effet à en faire tomber, mais t'arrives difficilement quand même à pousser les étagères. Du coup, tu sens que le mouvement s'arrête à ce niveau. Et par contre, le roc qui était en dessous décède instantanément. Et du coup, point d'héroïsme pour Abo, parce que j'ai bien aimé l'idée. Ok, merci. Yes, j'ai récupéré le seul point que j'avais. suivant, du coup. Ok. Star Lame, du coup. Du coup, première action, diriger un animal. Ok. Bon, évidemment, je peux pas passer mais non, mais là. T'es obligé de faire une diagonale comme moi pour passer. Ah oui, non mais... Et alors, du coup, on est d'accord que il a fait techniquement tomber les trois premières étagères ouais. Et que la troisième s'est arrêtée sur la quatrième. C'est ça, voilà. Tu sens que, voilà, elle est... Tu vois, elle est tombée, mais pas avec suffisamment de force pour entraîner l'autre dans sa... dans le mouvement. Du coup... Bon, je sens qu'il va se viander, mais... J'essaye d'escalader les étagères. Bah, en fait, il va aller sur les étagères, mais je pense que c'est à la fin qu'il va se viander pour essayer d'atterrir dessus et de mordre dans la foulée, quoi. Alors, attends, du coup, donc tu... Alors, je comprends bien, il est passé par-dessus les ouais. étagères qui étaient tombées. Après, elle est arrivée sur la dernière... Le plongeon pour choper le rat, quoi. Ok. Et du coup, en effet, il fait son mouvement et avec son mouvement qui n'était pas tellement... assuré, il pousse l'étagère qui est un peu brinque-ballante et continue et fait continuer son mouvement sur les trois étagères. Les rats meurent instantanément. Et du coup, par contre, le compagnon va aussi se prendre les dégâts de l'étagère. Il se prend lui aussi 8 dégâts.
Il a pris autant que les rats. Et fin du coup. Ouais, mais lui, ça l'a pas tué. C'est bon, la salle est clean. Nous avons tué tous ces rats. Alors, du coup... Par contre, ils ont fauté un bordel. Tu vois que ta créature, elle est encore prise sous l'étagère. Hein. Voilà. Ouais, mais je vais essayer de courir à côté pour... Je demande à mon robot d'aider. Ok, du coup, vous pouvez me faire un test d'athlétisme pour soulever... pour me soulever, du coup, l'étagère, la bibliothèque. Sans problème, j'ai 4... Alors, comment on prononce le nom de ta créature ? J'ai 4 OOB ou j'ai 4 ? J'ai K-Op. J'ai K-Op ? Ouais. Du coup, j'ai K-Op avec ses bras mécaniques, soulève facilement l'étagère. Et tu vois que dès qu'il commence à soulever, ta créature quitte et va te rejoindre. De toute façon, il me rejoint si je lui donne. C'est pour ça que j'aime pas quand c'est pas naturel. Un arbre ne serait pas tombé comme ça. Oui, voilà, il faut les pousser très très fort. J'ai pourtant déjà vu des arbres tomber. Oui, mais s'ils tombent, ils tombent en entier. C'est pas faux. Ils tombent pas en petits morceaux qui bloquent le compagnon. Pauvre Ambron. Par où allons-nous ? Nous avons au moins 3 portes. Il y a un mur. Mur. Bah oui. Oui, mais il y a des portes en bois. Monsieur Zah, vous dites quoi sur ce donjon ? Bah là, ce donjon, on a vu toute la partie que j'ai déjà vue, donc c'est pareil. D'accord, alors on va recommencer. C'est un donjon, une citadelle, il faut savoir. Hein. Je vais réessayer d'ouvrir la porte devant moi discrètement. Ouais, je vérifie quand même. T'ouvres la porte de la salle. Mais ça donne encore sur un mur. Du coup, tu vois des rangées de bureaux boulonnés au sol, bien que la plupart des espaces de travail exigus aient été réduits en morceaux dégradés. Tu vois aussi des chaises en bois éparpillées dans la pièce, mais surtout tu vois qu'une énorme chauve-souris semble avoir investi les lieux. Les gars, ce coup-ci, y a une bestiole volante. J'ai du mal avec les bestioles volantes. Ah, t'inquiète, je suis là. Hein. Tant mieux. Regardons la salle au-dessus avant de... Ouais, je vous laisse faire. Mais c'est pas au-dessus, c'est à droite. À droite, oui. De toute façon, je vois pas de porte. Du coup, je regarde attentivement s'il y a une trappe. Putain, ils sont insupportables. Contrôle-clic, du coup, pour j'ai caché. Ouais. Ah, vous, personne. Ah oui, il est là. Sinon, au moment de faire ton choix de jet, tu pourras tout simplement... Oui, mais c'est plus rapide. Du coup, tu voulais observer quoi, hein, parce que... Je regarde au plafond s'il y a une trappe. Tu vois clairement bah, des dans ce qui sert de plafond, tu vois des une structure qui te semble particulière et qui pourra peut-être cacher une trappe. Il a peut-être raison, hein. Il y a peut-être quelque chose là-haut. Ah ouais ? Ouais. Attends, je vais regarder aussi. Alors contrôle clic, c'est ça. Toi aussi, t'as l'impression qu'il y a quelque chose. Ah ouais, en effet. Tu demandes au robot de me faire la courte, on va checker. Ah sinon avec les étagères, on fait un escalier. Ah ouais, bah, bon, on ouvre la porte. Laquelle que tu ouvres. Ah, mais... Donc nous on fait un escalier avec les étagères. Alors moi je vais me mettre à côté. Ah, attends, du coup il y a... Il y a, comment ça s'appelle, Orlan qui a ouvert la porte de la zone. Et du coup tu vois que l'ouest de la salle est occupé par une... zone d'admission des prisonniers avec de longs bancs, des anneaux et au mur pour faire
et des anneaux au mur pour les fers et une zone administrative. À l'est, derrière une herse relevée, il y a plusieurs cellules dont les grilles sont ouvertes. Des casiers de rangement sont alignés contre les murs au sud. Ok. Bah, y a rien. Alors, attends. Quand toi tu passes, tu vois dans les cellules des squelettes qui te rappellent tes deux nouveaux compagnons. Alors oui, mais je cherche un passage. Je m'en fous du reste. Ok. Et du coup, moi, je les vois les squelettes. Bah tu vois les restes doucement dans l'aiguille. Je vais aller voir de plus près pour voir si j'arrive à... si ça ne pourrait pas être les impétueux le reste de leur corps en fait. Ok, je te laisse t'approcher. Et au moment où tu t'approches de la zone, tu vois... Oh putain, attendez, faut que je fasse un truc. Tu vois les... Comment ça s'appelle? Les créatures, les squelettes se relever et se préparer à t'attaquer. Alors, du coup, il faut que je refasse les tokens parce que je les ai supprimés. Donc, attends, un petit instant. Bim, c'est ça le problème de vouloir être trop... précautionneux. Surtout que nous, en vivant avec toi, tu devrais t'y attendre que les squelettes soient foireux. C'est vrai, oui, mais on est quand même là pour retrouver. Mais nous, on sait même pas à quoi ils ressemblent. Donc, On est là pour ramener des vivants. on ne sait pas s'ils sont vivants. On suppose qu'ils sont, enfin, elle espère qu'ils sont vivants. Elle n'est pas dehors à surveiller des messages, enfin des signaux d'alerte là. De quoi qui? Warbal? Ouais. Bah si elle, attend que vous meniez à bien. Elle surveille des signaux d'alerte. Bah, s'ils sont morts, il y a pas de signaux d'alerte. Potentiellement. Du coup, voilà, c'est bon. Les autres aussi, vous pouvez faire votre initiative. Hein. Si. Oh non, ça. Non, ça passe pas. Au cas où, mais voilà quoi. Là, on est occupé à faire des escaliers. C'est vrai, du coup, ça va prendre un peu de temps. Hein. Vous vous en doutez. Ah bah oui. T'es vivant? Mort vivant, ça passe à moitié, exactement. Exactement, bien. Hop. Bon, nous, on est pour les morts vivants. Bah ouais. Du coup, d'ailleurs, vous avez pas attaqué. Du coup, avec deux demi, là, on a bien un complet. ok, mais du coup, tout le monde a fait. Je vérifie qu'il manque personne, non. Alors, du coup, toi, il me semble que t'étais en train de commencer à constituer un escalier. Du coup, pour le moment... En fait, avec une étagère, je vais pouvoir monter dessus, donc... Ouais, peut-être. Voilà, hein. On nous a pas appelé comme quoi il y avait des dangers ou quoi que ce soit, donc on est sur notre projet. Du coup, passe ton tour. Ouais, tu peux passer mon tour. Oh, l'âme. Bah, je passe mon tour, il se passe rien. Allez. Du coup, qu'est-ce que et nous ça, avons prépare ton rôle. Alors, nouvelle fiche de personnage. Tac. Ouais, faire un squelette histoire d'être dans le thème. Du coup, tu vois, il passe. Je considère qu'il prend une action à sortir de sa cellule, se relever, tout ça. Et ces deux actions, il se déplace, tu vois, difficilement jusqu'à vers toi, Pim. Le deuxième, qui est beaucoup plus proche, va se relever. Se relever, en effet, et sortir son cimetière et attaquer
Et te toucher. Avant, nous avions un ZA. Maintenant, nous en avons deux. Et t'infliger 5 de dégâts. Heureusement que j'ai fait un meilleur soin avec la nature qu'avec la médecine. Alors, juste parce qu'il y a eu un bruit d'armes, en théorie, je vais faire un jet de perception pour savoir. Non, trop occupé. Du coup, Crook, est-ce que c'est la même chose, t'es occupé? Occupé, ouais. Il se passe rien. Hein. Pas, moi, j'ai fait le jet, c'est Drekker qui me dira un mot. Ben, t'entends alors des sons qui te semblent familiers, des petits cliquetis d'os. Après, tu saurais pas dire si ça... Si à l'origine est de Grook, de toi ou d'autres créatures. On commence à rouiller, il faudrait remettre de l'eau. Alors, je tiens à dire que j'ai cliqué sur le test de perception pour voir si j'entendais des trucs. Ouais. Parce que je pense, Arto a dit de toute façon, t'auras le choix de le faire en. Oui. En caché, j'ai peu de choix. Écoute, peut-être que je sais pas. Mais c'est pas grave, au pire. Au pire, du coup, ouais, la même chose pour Umbreon. Vu qu'il est quand même plus concentré, bon, il est pas distrait par une autre activité, il voit clairement que le son vient d'ici, de là où est entré Pim. Et pareil, il entend le même son des cliquetis, et puis il a entendu une sorte de mouvement tranchant et un petit cri de la part de Pim quand il a entendu un truc comme ça. Bon, du coup, au prochain tour, je pourrais agir. Du coup, Goku, on est d'accord, tu passes ton tour. Ouais. C'est tellement agréable d'avoir des mails comme ça. Du coup, lui, il passe une action à sortir. Et puis, il va se déplacer pour se mettre ici, là où il y a de la passe. Du coup, prise au tenaille. Ouais, attends, du coup, il faut que je mette un dépourvu. Parce qu'il y a un état prise au dépourvu, il faut que je mette, moi. Sinon, ça fonctionne pas. Hop. Ouais, mais là, techniquement, on le voit maintenant. Oui. Tac. Et du coup, il va t'attaquer avec ses griffes. En tout cas, ce qui lui sert de griffe. Et t'arrives, malgré tout, à l'esquiver. À l'esquiver. Donc, une action, deux actions, trois actions. Cette fois-ci, c'est à Pimchon. Du coup, je fonce littéralement vers la porte pour ressortir. Et je referme la porte en deuxième action. Panique. Ok. Alors, comment dire, il y a 4 squelettes. 2. Dans la salle dans la salle d'à côté. Ok. Côté de la qui m'attaque. C'était peut-être ici que je me suis réveillé la toute première fois avant d'avoir perdu ma mémoire. Du coup, il va se déplacer et il va donner un coup avec. Il va sortir son épée, il va donner un coup dans l'épée. Dans la porte, pardon. Tape l'épée, merde! C'est des trucs en bois. Et du coup, tu vois que. La porte est déchirée. Par contre, Drekker, tu dois peut-être retirer l'état qu'il a. Oui. Ok, et du coup, c'est à moi de jouer? Non, pas encore. J'y arrive. Du coup, c'est à. Ah bon? Bah, du coup, je vais me déplacer, hein. Et je vais faire un déluge de coups sur le squelette qui vient de casser la porte. C'est le premier que j'ai vu. Ouais. Vous avez vu les effets? C'est beau. Première claque. Le revers. Ça touche. Et cette fois-ci, ça loupe. Le revers, il touche pas. Hein. Ouais. Ouais. Alors. Du coup. Ah, j'étais bon. En non létal, hein. Classique. Enfin, en létal, je veux dire. Classique. Ok. Mais... ouais. Il se prend les dégâts. Tu as vu clairement quand t'as donné ton coup, t'as,
t'as un os qui a vraiment bougé avant de reprendre sa place. Et je vais finir par... Ah mais putain, j'ai attaque à main nue et attaque de poing. Je sais pas quelle est la différence entre les deux. Je continue avec l'attaque de poing. Vas-y. Et c'est un échec... critique. Oui, mais vu que c'est pas un naturel pour moi, c'est juste un échec. Oui, mais ça me fait plaisir de l'entendre. Et fin de tour, parce que j'ai fait mes trois actions. Ça marche. Ça marche. Du coup, c'est à Orlam. Est-ce que je peux prendre deux de mes actions pour faire reculer Pim d'une case? Du coup, ça veut dire que là, tu as une action pour... alors, typiquement, une action pour te déplacer, une action pour tirer. Mais je considère que dans le mouvement tiré, tu peux le reculer d'une case. Donc, ouais, deux actions. Est-ce que Pim, tu te laisses faire? Ah ouais, ouais. Ouais, on va dire qu'il est consentant et que t'as le temps de lui prévenir de ton mouvement, quoi. Du coup, il se lève. Je sais qu'il y a que vous derrière moi, donc voilà. De toute façon, je pense que je fais recul, hein, mais dans l'action, tu pourrais très bien dire non, donc... Ça va, c'est ton pantalon au niveau mollet qui va se faire tirer. Tu vas savoir que c'est lui. Ok. Donc, bah, vas-y, recule-toi. Et du coup, avec ma troisième action, je le fais diriger. Ouais, donc t'as deux actions avec ton compagnon, si je dis pas de bêtises. Et bah, une pour qui se déplace, du coup. Et une pour qui tape. Bah, vas-y. Ouais, je te laisse faire ton jet d'attaque. Ouh, j'ai vu le 2. Ah, t'as pas ciblé. Mais ça ne touche pas. Tu. Fin de tour. Ouais, oui. Non, mais je préfère demander. Lui, il s'avance et vous l'entendez gueuler. Vous l'entendez geindre, il se plaindre, vous savez pas pourquoi. Caca. Et l'autre aussi, la même chose. Il se met derrière et il se plaint. La vie est pas terrible, Drucker. Caca. Du coup, il se plaint en écrit, non? Les squelettes, on doit comprendre, nous. Alors, je vérifie la langue. Non, mais alors, là, c'est pas forcément, tu vois, alors, c'est pas forcément un dialecte, c'est plutôt des. Tu sais, des sortes de. Bien, à topé, ok. Comme ça. Du coup, c'est à toi, Grook. Plein de la facture EDF. Ah, je comprends. Alors, première réaction, feu. Ah. Et tu vois ta balle qui passe entre deux articulations, vraiment. T'as cru qu'on avait de la chair, Grook? Non, il y a pas de place pour mon robot, de toute façon, donc je recharge et je tire. Et cette fois-ci, tu vois que ça passe entre deux côtes de ça. Pas d'ours. Au moment où je vois que ça passe entre deux côtes, je lui dis c'est passé à côte. Et du coup, le garde va frapper. Eh non, tu vois, il te regarde et il a plutôt tendance à vouloir frapper la. Un squelette. Ah, c'est un squelette, faut pas taper. C'est ça, exact. Du coup, lui, il va attaquer avec la griffe. Ah, ça touche le puma. Tu sens qu'il y a une petite satisfaction de la part du squelette, ouais. Là. Là, il y a moins de satisfaction. Et tu le vois partir. Pareil, un ronchonnant aussi. Pim! Bah du coup, je vais... Et salut Fenry!
Comment vas-tu? Vu que j'ai mon arc en main, j'ai décoché une flèche sur le premier là qui est face à... devant toi. Ouais. Mais vas-y. Quand même le pire groupe pour s'attaquer à des squelettes. pareil, alors, tu vois l'endroit où, où Grook a tiré avec son pistolet, tu vois, tu as tiré exactement au même endroit avec la même conséquence, c'est passé entre deux os. Mais est-ce que ça s'est arrêté entre les deux os ou est-ce que c'est juste passé? Non, c'est passé, ça a traversé, et même ça a traversé celui qui était derrière, quoi. Tu vois, j'allais demander est-ce que du coup ça pouvait pas toucher celui de derrière. ils font la même taille, les côtes sont au même endroit. Ouais, c'est exactement. Moi j'attends de voir quand tu vas poser. Et par contre, ça s'affiche dans le mur. Avec un petit son de. Comme si c'était une guimverte, ça, tu vois, ça va être. Avant de retomber par terre. Cet alignement divin, oui. Petite soirée tranquille chez les parents, trop cool. Vas-y, Pim. Vas-y, tu peux le faire. Ouais, non, mais... Ouais, bah, je retente une deuxième. Vas-y. Tirez, madame, tirez. Ouais, madame, ça touche quand on pousse plus. Là, t'as juste dévié ton tir de... Allez, 10 cm et ça va se ficher en plein dans la... Dans l'os. Fais tes dégâts. ça... Yep. Tu vois pareil. Ça la rafle, quoi. Tu vois l'os un petit peu avancer et reprendre sa place. Bon, au rythme où c'est parti, on a déjà fait plus de combats que d'habitude en restant vivant. C'est vrai. Alors, Pim... Je suis d'accord avec ton propos, Rona. Pim, du coup, c'était ta dernière... t'as fait quoi là? Non, il m'en reste encore une. Du coup, je me décale... Attends. Ah oui, c'est ça, oui. Je me décale un peu pour laisser de la place au cas où... Ah oui, un petit morceau de casou, c'est ça? Il a slap le coccyx, c'est ça. J'ai pas de casou. Mais moi, je vais prendre un casou pour la prochaine fois. J'ai hésité de prendre un harmonica. Non, mais harmonica, il faut apprendre à jouer, quoi. Ouais, ça. Mais du coup, voilà, je me décale un tout petit peu et puis. Ok. Lui. Pareil, il voit que son pote n'a pas attaqué. Du coup, il rattaque le. Allez, du coup, avec cette fois-ci, avec son cimetière, puisqu'il l'avait sorti pour défoncer la porte. Ah bah. Oh, c'est beau. N'oubliez pas que vous pouvez me faire relancer les dés si vous voulez, hein. Avec les points de chaîne. Ça va, moi je viens de voir ce qu'il fait, l'échec critique, il est pas si. Alors, qu'est-ce que ça. Du coup, corps à corps, vous êtes ralenti. Oh, ralenti, en plus, c'est chiant. Hein. Ralenti, ouais, mais jusqu'à la fin du prochain tour. Jusqu'à la fin du tour. Ouais, mais du coup, jusqu'à la fin du prochain tour. Hein. Du coup, j'ai fait une action, il me reste encore une action, c'est ça que ça veut dire. Ça va, c'est pas le pire que tu pouvais avoir. Bah, c'est chiant quand même. Ouais, alors, il enchaîne l'échec avec la réussite. Et après, ouais. Oh, c'est chiant, hein. Du coup, c'est pas. Tu peux faire relancer. C'est. C'est avec son cimetière, du coup il y a la... tranchant, ouais. De toute façon, c'est triple dégâts. Alors, la deuxième partie qui est Du coup, on avait dit que les règles c'était comme ça. Déjà, je fais mes dégâts critiques et tu les multiplies par. Alors, 12 x 3, ça fait 36. Il a 18 points de vie. Du coup, dégâts x 2. Mais même sans ça, Drecker, regarde, il y a la règle que la cible doit réussir un test de... Oui, non, mais là, il est mort. Ton dégât colossal... C'est pas... Il y a eu un... demande de rejet de... de dés, hein. je me sens quand même un peu... Je me sens un peu berné parce que ça a été... Ça a été tard, ça, hein. Non. Non, hein.
Bah non, c'était à 52, il est 53. C'est toi qui lis pas ton chat pour être sûr que ça passe. Je me sens U. Bon. Vas-y, récupère tes points de vie. Et on a débloqué. Vas-y, récupère ta bestiole en vie. Putain. Et salut, extatique. Salut, extatique. C'est toi qui lis pas ton chat. Et écoutez, je suis MJ, je dois encadrer un groupe de colonies, je dois lire le chat, c'est quand même compliqué. Allez, du coup, t'as récupéré tes points de vie, ok. Du coup, c'était ça. Plus 1, donc il avait fait. Donc plus 1, je vais regarder. Hop, c'était ça. Deuxième action, du coup, il reste une action. Non. Bah si. Pourquoi? Ah oui, d'accord. Tu refais l'action. Non, je refais pas l'action. Bah, il est ralenti. Ah oui, c'est vrai, je suis ralenti par contre. Ah oui. Ça, j'avais oublié. Oh, bah, là, ouais. Bah, c'est bien triste. Voir, hein, ah non, mais ils sont pas assez gros, les états. Il est ralenti jusqu'à la fin de son prochain tour. Oui. Ah oui, non, mais j'avais oublié là, les faire ralentir. Bah, du coup, je vais essayer de faire un déluge de coups sur lui. Première attaque. Merde. Vous pouvez aussi. Attends, merde, ouais. Moi je peux pas faire relancer. Et deuxième attaque. Bon, enfin, la dernière fois j'ai touché, j'ai fait un dommage, hein. Ça va. Ok, du coup, normalement, avec ton déluge de coups, tu peux cumuler des dégâts en fonction des résistances, je crois. Ouais, mais c'est du contendant, donc je crois que j'ignore les résistances des squelettes. Hein. Dans mes souvenirs, c'était. Ouais, bah fais tes dégâts déjà. Yes! J'ai augmenté pour la première. Ouais, deuxième. Ouf! Ah, je me sens plus, j'ai fait 8 dégâts là ce coup-ci. Tu vois que la créature tombe. C'est... Ouais, il n'y a aucun doute sur sa mauvaise voix, super! Hein. Du coup, la porte elle est défoncée, on est d'accord. Hein. Bah oui, là, il l'a défoncé, c'est. Ouais. Bah. Ouais, là, je vais juste attendre au cas où il y a une autre créature qui se rapproche pour lui mettre une tatane. Hein. Du coup, éventuellement, quand tu dis attends, tu veux préparer une action? Ouais. Je prépare mon action pour que la prochaine qui s'approche de la porte pour venir essayer de nous taper, je lui mets une claque dans la gueule. Ok. Ou un coup de pied, hein, je suis généreux, je distribue les phalanges, que ce soit des doigts de pied ou des doigts de main. Ça marche. D'ailleurs, vous avez récupéré le médic hein, pour info. Je sais pas qui c'est qui a donné 2000 points manquants, mais jugez mauvaise foi. Non, mais. Alors, les derniers points ont été donnés par Fenrir, qui a donné Extatic. 90, et il y a aussi Extatic qui a donné 2000. T'as mis Extatic qui donne 2000 à l'autre table. Ça, c'est beau. Hein. Ça, c'est. Ah, c'est de la. En même temps, je leur donne bien 2000 à chacun de leurs. C'est vrai. Alors, non, mais je dois avouer que le fait d'avoir dégâts critiques et la carte dégâts trip, ça m'a un peu coupé. Vous l'avez senti le sel, enfin, il a pas pu l'utiliser. Ah ouais. Ah, non, mais. Bah... Ça les méprise pendant un mois. Hein. Non, autant tu vois, j'ai une carte normale, j'aurais dit, mais là, la carte dégâts trip qui est annulée quoi. Ça. Du coup, c'est à toi là. Bah, du coup, on va dépenser une action pour ouais. Diriger. Du coup, il a droit à deux actions. C'est deux actions. Toi. C'est vrai, ta clique est bon en bas. Dans ce cas, je peux que m'avouer vaincu. Mais je ferai un petit. Je ferai en sorte que mon. Je sais pas. Quand mon bot puisse mettre un timing justement pour dire. Pour dire sur les relances. Quoi, pour ces actions. Mais bref. Du coup, première action, c'est un échec. De Umbreon. Il s'est déplacé, ouais, première action, je sais pas. Première action, il s'est déplacé, ouais. Il n'y a pas le choix. Oui, non, mais du coup, parce que tu sais, tu vois, les autres tokens, ils ont la rémanence pour savoir qu'ils sont déplacés, là, vu que je l'avais pas vu. Oui, non, mais je sais, Alvin. Du coup, qu'est-ce que tu fais avec tes deux actions qui te restent? Très, très bonne question. Aussi, ça. Je sais plus si je dois être au cac, par contre. Portée 9 mètres. Donc c'est bon. Oui. Attends. Vous obtenez la réaction bloquer la vie. Tac. Il y a un petit plus 1 à la CA, globalement. Ouais, c'est fort. Mais par contre, pourquoi l'autre qui... Hein, pourquoi... Tu l'as mis sur l'autre aussi?
Ouais. J'ai rien mis sur... Je sais pas, parce qu'il y a le garde squelette qui brille. Bah écoute... Tu gardes la vie du squelette. Ah, c'est peut-être... Un peu tard, hein. Peut-être parce qu'il est ciblé pour ne pas le zapper pour les combats. Ah, mais non, bon, c'est pas grave. Non, non, c'est un compagnon animal, David. C'est un compagnon animal. Bon, je prends un part de salle et je viens me pointer au boulot. Ah, bon, bon courage, Albérec. Merci d'être passé. Prochaine. Ok, du coup, t'as fait ça, t'as pris une action. Ça m'a pris seulement une action, ça. 8 temps d'incantation, hein, ça veut dire que c'est une action. C'est incroyable. Je m'en fais, je m'y fais pas ces sorts qu'on peut spammer. Ouais, après, t'as 10 minutes de cooldown pour protéger à nouveau ton compagnon, donc spammer, oui, non. Oui, mais tu vois, normalement, pour moi, un sort, c'est... Enfin, c'est les problèmes PF1, quoi. Mais ouais, je comprends. Alors. Non, ça, je peux pas. Ouais, c'est deux actions, non. Du coup. Ah bah, du coup, je vais simplement attendre. Ok. Ah. Du coup, je passe ton tour, c'est bon. Alors, est-ce que tu vas attendre ou tu veux préparer une action comme il a fait... Il te reste une action. Je vais attendre. Bon. Hop, alors. Du coup, celui qui brille de mille feux, il va attaquer la créature qui est en face de lui. Hein. Hop. Avec sa griffe. Touche malgré le bonus à la CA. C'est honteux! C'est honteux! Ah, c'est pas pillé parce que du coup. Ouais. De toute façon, Ronin, je te rappelle qu'on a un médic, donc dès qu'il est sur le point de crever, un médic. Je sais pas s'il y a la notion de mourant pour les compagnons, non. Je crois qu'il. Dès qu'il décède, il décède. Hein. À vérifier. Mais bon. Ouais, mais la mort n'est pas une fin en soi, j'ai oui, envie de oui, dire. Oui, oui, oui. T'en parleras à mon cheval. Pas un problème, je vais aller lui parler. Amène-moi son cadavre. Allez, la deuxième. Oh. Oh, j'avais fait des bons jets. Hein. J'avais fait des bons jets. Ouais, mais j'avais fait des bons jets. Ah, d'accord, donc quand même le mourant, ok. Ok, du coup, ouais, c'était pour savoir pour le médic. Moi, j'ai pas vu, hein. Putain, moi il y a un truc, je sais pas combien de temps ça marche et ça m'énerve. Bah dis, pose la question, on pourra peut-être t'aider. La frappe de qui, il y a pas de durée. Donc attaques ou pas. Regarde, après de toute façon ça te consomme un point de ki normalement et du coup tu peux pas. Ouais, j'en ai qu'un seul donc ouais. C'est pour ça la durée, ça m'énerve un peu de pas savoir. Oh, bah là tu vois, regarde, t'as sauvé sans doute ton puma là-dessus. Le bête. Gouk. Moi je recharge et puis je donne 2, donc 3 actions à mon compagnon. Ouais. Faut pas passer à côté de la porte, donc ça. Voilà. Et fracasser. 10 actions. Tac. Allez. Ah bah il fait un échec critique. Sur la deuxième attaque. Il est considéré comme avec des armes, hein, vu que c'est un truc machine. Ouais, mais t'emmerdes pas. Tu vises à celui que t'as en haut, ouais. Ouais. Du coup, bah, il se tape en se faisant du saignement. Bon, bah, ça va, c'est immunisé. C'est juste un peu griffé. Est-ce que c'est une machine? Bah oui, il y a pas de sang. Et la perte de liquide hydraulique, alors. Ah non, n'essayez pas de vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, je suis là pour ça. Écoute, moi j'ai vu sur circuit, j'ai vu un robot saigner. C'est tout. Ok. C'est vrai, mais il est marqué dans ses inimités qu'il est mis au saignement.
Ah, là, ça change la donne. C'est pas parce que c'est un robot, c'est parce qu'il est immunisé. Ouais, ouais. Du coup, oui, c'est jusqu'à la fin du round. Attends, mais je peux peut-être regarder. Regardez si c'est bien indiqué. Non, mais au pire, on vérifiera pour la prochaine fois. Je vais pas utiliser dans ce combat. Oui, non, mais frappe qui vous focalisez pour donner, effectuer une frappe à menu individu du coup. Bénéfice à bonus. C'est de pas plus. Marqué durée parce qu'il y a d'autres trucs de qui du moine qui marquent une durée. Donc. Vous bénéficiez d'un bonus. Bah après, ils disent effectuer une frappe à manu ou un déluge de coups. Ouais, mais après, vous bénéficiez d'un bonus de statut de plus 1 à vos jets d'attaque avec ses frappes. Pour chaque. Mais non, moi je pense que c'est juste pour une action. Ce qui paraît, c'est dans l'onglet détail. Je vais vérifier ça. Temps d'incantation, c'est-à-dire pour lancer le sort, c'est 1. Intensifié. Moi je dirais, vu que ça marche soit pour un déluge de coups, donc deux actions, soit pour une frappe seule et une. Hein. Bah j'aurais tendance à le comprendre pareil. C'est pour ça que je le garde de côté. Mais je vois pas. Du coup, c'est à Gou que t'as fini ton tour ? Ouais. Mais je regarde, hein, mais. Moi j'ai juste ton incantation, donc c'est juste. Bon, allez, écoutez. Non, mais on vérifiera pour la prochaine fois. Ouais. Il se déplace. Il vais pas l'utiliser là, donc. Elle était où ta créature, ton robot ? Elle est à côté du Puma. Ok. Du coup, je vais faire un des 100 pour savoir qui l'attaque. 50, ça sera le Puma de. Jusqu'à 50, ça sera. Ombreon, okay. Et 50 et plus, ça sera le robot de Grook. Donc l'interprétation qu'on en a, Drekker, comme quoi c'est juste le temps d'une attaque, c'est ça. C'est, on va dire. Vu comme c'était... Ouais, non mais c'est bon. Non mais c'était clair. C'est pas souvent le cas, mais c'était clair. Non, le gars qui est... Du coup, ça sera... Ouais. J'allais l'appeler Pumba, non mais... ça sera Ombreon. Mais enfin. Mais parce que j'ai vu Ombreon le Puma, du coup, ça... Ça touche. Bah, tu te rases de toutes tes plantes et tu fais Timon. T'as déjà la taille. Ouais, une action pour le sort, oui, c'est ça. Ouais, ça, ton incantation, j'avais bien compris. Ouais, donc c'est pour le sort, une action pour le déluge de poux et tu peux encore mettre une autre attaque derrière. Hein. Mm. Donc ça va. Mais voilà. Bon. Quoi ? Non. Ah, c'est une action, le sort plus la frappe. Ah oui, d'accord, c'est dans le sort, t'as ta frappe. Donc c'est ok. Ouais, donc c'est rentable au final parce que tu peux. Ah oui. Ouais, non, tu peux faire plus de déluge de coups, mais tu peux faire une action plus encore deux frappes. Ouais. Ça fait 4 frappes dans le tour. Ouais, donc non, ça va du coup. Bon, par contre, il y en aura deux qui seront boostés. C'est un détail, mais. Ouais, un point de focus et j'en ai qu'un. Alors, je vais bloquer la vie. Ouais. Donc, je réduis les dégâts qui devaient être occasionnés à Ombreon de 10 et je subis 5. Ah, c'est toi qui subis. Et je subis 5, oui. Mais oui. Mais oui. C'est pas mal ça aussi comme ça. Et du coup, quand t'as fait la réaction, ça te l'a fait tout automatiquement là. Les 5 parce que j'ai vu que t'avais perdu de la vie. Ah, je l'ai fait manuellement. Ah, t'as fait manuellement, ok, je pensais que c'était. Ça loupe avec un 14. Il y tient. Enfin, ah non, de toute façon, en plus, la dernière, j'avais déjà fait une action de déplacement. De toute façon, elle n'aurait pas touché. Pimchon. Ouais, du coup, c'est pas mal, ouais. S'il y a l'action et le sort. Parce que... Mais c'est quoi, un point de focus, ouais. Ouais. Bah, en fait, le problème, c'est juste la réserve de points de focus. Hein. Ouais, de toute façon, après, de toute façon, tu peux te. Attends, tu peux te refocaliser. Je crois que c'est 10 minutes ou une heure. Tu peux te refocaliser. Bah, c'est la grande question, parce que là, du coup, j'hésite à utiliser mes points et. Je sais pas tous les combien je vais récupérer. Non, parce qu'après, ouais, Non, c'était la focalisation. Refocaliser, refocus. C'est 10 minutes. En prenant 10 minutes de méditation, ouais. Ouais. Ouais, c'est-à-dire 10 minutes à rien faire. Du... Mais du coup, ouais. C'est-à-dire que quand les autres fouillent la pièce, par exemple, je peux me. Bah, le temps qu'on fasse escalier, t'as 4 heures médité.
Parce que oui, du coup, ouais. Ouais, donc ça va. Mais après, il y a... Je sais pas si... Attends, je vais vérifier. Fais... Qu'est-ce que tu fais Pardon. Pim, c'est à toi. Je me décale pour être un peu plus dans l'axe. Et du coup, je tire une flèche. Ouais, non, c'était marqué, j'ai pour 30 minutes. Ouais, ouais, non, mais je vérifiais s'il n'y avait pas un CD sur le truc. Pim, est-ce que tu peux expliquer à ton dé qu'il y a d'autres dégâts que 1? Oui, mais parce que oui, tu peux pas récupérer. Ouais, t'es obligé de. T'es obligé d'avoir un ou moins de. Enfin, max. Ça, j'avais bien noté. Allez. Un... Au maximum, j'ai 3 points de focus. Hein, donc, Est-ce que je refais un 1? Ça serait beau. Hein. Non, ça serait pas génial. Ouais, j'ai fait un 3. Ah, ça aurait fait 3 si t'avais fait 1. ils sont tous morts. Non, ils sont pas tous morts. Ah, tout le monde, en tout cas. Il en reste un. Ouais. Du coup, t'as fait 12 attaques. Deux actions. Ouais. Deux actions plus un déplacement. Donc. Bah, c'est bon alors. C'est à monsieur Abroarch. Abroarch. Tu m'as mis à R1 ou non, c'est mal. Ah oui, Abroarch. Putain. En même temps, le pseudo coup... trouvé deux minutes avant, quoi. Ah ouais, mais je sais très bien d'où il est tiré le truc et c'est vraiment le nom d'un mort-vivant. D'accord, bon, mais ça va. Donc voilà. S'il veut passer là. Faut que je fasse un test d'acrobatie pour passer à côté des bestiaux ou... Les, parce que, attends, du coup, lesquels? Ben non, parce qu'après, moi, je considère que le puma et le robot te laissent passer, du coup, n'ont pas peine de faire un truc d'acrobatie. Hein. Ok, bah du coup, je vais venir là. Et vu que les autres sont morts, ils ont trop leur mot à dire. Je vais passer sur le robot juste pour rentrer, voilà. Je me mets devant le puma, là, comme ça. Je vois le dernier, là, qui est en vie. Ouais, plus il clignote bien. Ouais, je vois ça. Donc, bah, du coup, je lui fais un petit déluge de coups dans la figure. Allez. Oh, mange mes phalanges! Ça, le premier touche. Voilà. Non, mais la salade de phalanges, c'est une de mes spécialités. Ouais, je vois ça. Dans tous les sens du terme, hein, parce que je l'ai fait aussi à manger. Et le dernier tombe. Tombe de dessin. Et voyez les os de la créature tomber et commencer à rouler un petit peu dans la salle. Et là, je prends une des têtes et je fais « Crook, ils ont perdu la tête en nous voyant arriver !» Pas étonnant. Moi, je prends mon gourdin et je tape sur les crânes de manière à les fracasser. Ah oh. Mais c'est gentil de nous préparer à manger des petits apéritifs. Et voilà, tu vois une sorte de soupe d'os, qui est en train de se faire. J'en prends une poignée et je la mets dans la bouche. Les morts, ça doit rester mort. Sans offense. Hein. Non, j'ai compris. On doit faire le mort, ok, j'ai compris. Tu me vois tomber au sol. Je m'approche d'Arto avec le gourdin levé. Non, tu sais que je fais semblant parce que tu m'as vu, j'étais animé. Je m'approche d'Arto avec le gourdin levé. Ah, tu m'as dit de faire le mort, je t'écoute. Moi, je supprime juste un cadavre pour éviter que ça... Sinon, il y avait quoi ici? Alors, du coup, comme je te disais, donc là, t'as des oui, non, cellules ou ça. Par contre, ce que tu vois, c'est qu'il y a des casiers de rangement ici. Bah, de par. Je fouille la place. Et après, je pense que vu l'heure, peut-être qu'on va s'arrêter. Ouais, ouais. du coup, tu vois qu'il y a donc des coffres de rangement, mais tu constates qu'ils sont verrouillés. Eh ben, pour la prochaine séance, je dirais ZA! J'ai trouvé du taf pour toi! Alors, à part nettoyer le sol! Alors, typiquement, ça, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire maintenant, ça prendra pas énormément de temps. Ok, voilà. Dans ce cas-là, j'arrive. Hop. Et j'essaie de crocheter les. Alors, sinon, c'est en bas, c'est vraiment ici, hein. C'est là où il y a les casiers. Non, mais le truc, c'est que dans ce cas-là. Ouais, mais tu te mets dessus, c'est pas grave. Ah!
Alors, vas-y, fais-moi un test de vol, du coup. Et est-ce qu'on n'utiliserait pas le médic juste avant la fin? Parce que je suis pas sûr qu'on l'aura encore pour la prochaine séance. Ouais, ça serait pas mal. Alors, du coup, le premier, tu réussis à l'ouvrir et tu vois un marteau léger en argent. Basse qualité en argent. En tant qu'arme, marteau ou Oui, un marteau, c'est une arme. D'accord. Alors, je le prends et je fais, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Hop. J'ai pas besoin de planter des clous, j'ai pas de cercueil. C'est pas naturel. On pourrait détruire le toit pour détruire la trappe. Avec. C'est pas con. Bon. Et je vais au deuxième. Alors, attends, juste pour info, même si tu sais que c'est pas forcément. Vous n'avez pas forcément utilité, vous savez que du coup, de fait qu'il soit en argent, vous pourrez en récupérer assez facilement une bonne valeur pécuniaire. Et du coup, qu'est-ce que quelqu'un le récupère ou il le laisse ici? On le récupère. Alors qui le récupère? Si quelqu'un était intéressé pour l'utiliser comme une arme, dans ce cas, je lui aurais donné. Alors du coup, c'est toi qui le récupère. Hop. Peu importe. C'est toi qui le récupère. Hop. Du coup. Et ben, je refais un test de vol sur le deuxième. Allez. Tu réussis à le voler. Cette fois-ci, tu trouves un fléau d'armes légers en argent de basse qualité et un ce qui semble être un élixir. Tu sais pas trop encore les effets, mais tu vois un élixir. En tout cas, ça te semble très clairement alchimique. Donc pareil, hein, je montre. Voilà, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Sinon, ça dépend, ça fait quoi sinon, cette potion? Regarde. je prends la bouteille, je la regarde. Désolé, j'ai pas pris la bonne paire d'yeux pour voir ce que ça fait. Mais je te la rends. Je vais même ressortir. Alors du coup, attends, je vais te donner les trucs. Alors attends, attends, parce que déjà t'en as fait que deux sur les quatre. Hop, il faut que je te donne. Donc c'est un fléau d'armes. Ça c'est un fléau. Je crois que c'est ça. Écoute, vu qu'on est un peu pressé par le temps, on va dire que tu réussis à ouvrir. Les autres. Alors, tu vois également, donc, pareil, une masse. Donc, j'avais donné une masse d'armes. Une masse, voilà. Pareil, tu vois qu'elle est également faite en. Elle est faite en argent, toujours de basse qualité. Et tu vois également une Morgenstern en acier léger. Hop, du coup, j'avais pas préparé mes excuses. Hop. Du coup, hop. Ah, attendez, j'ai vraiment pas. Ouais, mais putain. Tu trouves. Hop. Je te donne tout ce que tu trouves. Tu trouves un objet qui ressemble à grosso modo à une tête de chat verte. Hop. Tu trouves aussi hop un autre élixir. Hop. Que je te donne aussi. Hop, faut juste que je pense. Ah, tac. Et si j'oublie rien.
S'il y a ça aussi. Hop. Tu trouves également une sorte de... quelque chose qui ressemble à un cristal. Hop. Je te le donne. Hop, ça aussi, il faut que je modifie. Alors, attends. Hop. Ah oui, faut. Et tu vois également un parchemin qui te semble être magique. Hop. Tac. Et voilà ce que tu trouves dans tous les casiers. J'ai failli rien oublier. Je t'ai donné toutes les armes que tu avais récupérées. Hop. Le fléau. Ah non, je t'avais déjà donné le fléau. Hop. Oui. Il reste ça. 1, 2. Attendez, j'ai le fléau. Et non, il te manque là. Voilà. Du coup, tu trouves tout ça. Hein, et t'es pas peu fier de toi. Ok. Je vais voir vite fait Orlam pour savoir si il est. Les élixirs, il arrive à savoir de ce que ça peut être. Des fois que ça peut être des produits. Ouais, c'est... T'as des affinités avec ce genre de truc. Ouais, ils sont dans... Moi, je vais juste vérifier s'ils sont naturels. Ouais. Je vais remettre un peu de musique, du coup. Alors normalement, après, est-ce que tu veux... Ah, pourquoi t'en as qui sont portés automatiquement? C'est toi qui clique dessus sur les portées Non. Pour le moment, tu les portes pas vu que tu ne sais pas... Ouais, attends, on va dire. On va laisser comme ça. Non, je peux... Bon, pour le moment, je te les mets lâchés. Mais tu les as bien. Ouais. En attendant. Ok. Du coup, Du coup, je fais un test de nature. Si tu veux identifier, alors déjà, je crois que tu peux. Vas-y. Normalement, il doit y avoir. Hop. Du coup, non, ça sera artisanat pour tout ce qui est alchimique. Eh mais non. Eh ben, écoute, j'y peux rien. Moi, c'est de l'alchimie, c'est de l'artisanat. Hein. Non, mais Drucker, moi je veux bien, mais si t'écoutes pas ce que je dis, oui, mais... jamais on s'en sort. Oui, mais je sais que t'as dit, toi, tu voulais t'intéresser, c'est naturel. Ouais, c'est... Si c'est de l'alchimie, c'est pas naturel. Bah oui, donc. Donc je peux faire un test d'alchimie. Non, en gros, il me dira, bah c'est pas naturel, je sais pas ce que c'est, quoi, c'est tout. Bah, du coup, considère que tu n'as aucune idée de ce qu'il y a sur les élixirs qu'il te propose. Les bouteilles. Ah. C'est plus simple comme réponse. Bah oui, non, mais écoute. Écoute, l'artisan. Pourquoi faire? Donc après. Bah, tu me dis que dans le tas, il y a une. Qui a un sirop. C'est bon, ça, je peux pas dire les fruits dedans, mais. Oui, d'accord, j'ai pas abusé ça comme ça, mais oui. Forcément. Après, du coup, donc t'as ces objets éventuellement, donc ces objets liquides, et puis t'as. T'as un parchemin et un objet qui ressemble à... comment ça s'appelle? À une sorte de figurine, voilà, qui ressemble à une tête de chat et qui est verte. Du coup, t'as l'impression comme que c'est quelque chose de précieux, mais voilà, pour moi, c'est ce que tu as récupéré. Et j'ai oublié de te donner un truc. Attends, est-ce que tu l'as récupéré? Cela dit, je peux quand même voir si c'est magique ou pas, tes potions. Non, mais en fait, les potions, je peux moi-même les analyser. J'ai plus 6 en... Putain, il y a un truc. Le mec, il sait ce qu'il... Il sait identifier les trucs, mais il va voir un autre en mode... Tu peux trop utile, s'il te plaît. Je trouve que tu es inutile, vas-y, fais le taf. Et sinon, si c'est magique, je peux le savoir. Alors... Ah, sauf si c'est des illusions. Ah, du coup, ouais.
vais faire le test pour vérifier. Je l'ai fait un par un ou... Alors, du coup, alors, tu veux déjà identifier quoi ? Tous ? Bah ouais, savoir si je sais... Après, ça, alors, du coup, je vais déjà te donner... Ah, du coup, toi, tu... Alors, lecture de l'aura, vous vous concentrez sur l'objet ciblé en ouvrant votre esprit. Du coup, je vais pouvoir savoir si l'objet est magique ou non, et s'il est magique, de quelle école. Attention que si c'est une illusion, je détecterai uniquement que c'est une illusion si le niveau de l'effet est inférieur au niveau du sort ici. C'est-à-dire 1. Alors, du coup, bon, pour simplifier, normalement, c'est sur un objet, du coup, je considère que tu les fais tous. Tu vois que les potions qu'il t'a proposées ne sont pas magiques. C'est de la merde, pas magique. Bah, du coup, j'essaie de les identifier, moi, donc, ça doit être un truc alchimie, donc, regarde un peu. Ok, du coup, tu lui as proposé que les potions, hein. Ouais, j'ai vérifié les élixirs. Ouais, non mais du coup, Arona, tu as proposé... Oui, avec oui, les... oui, okay. Oui, c'était... Ok, ok. Oui. Du coup, je fais un test pour... du coup, hop. Alors, hop. Regarde. Hop. T'as juste à cliquer là-dessus. Ouais. Je vérifie tes compétences, je sais pas si... Ouais, t'es qualifié en artisanat, de toute façon, du coup. Ouais, ouais, je suis qualifié. C'est de la merde. tu n'arrives pas à reconnaître cet objet, même si tu vois, si tu doutes que c'est alchimique, tu n'arrives pas à reconnaître ce que celui-ci fait. Après, les autres aussi peuvent éventuellement tenter. Hein. Après, à supposer que vous, Pimchon vous les présente. Allez, du coup, le deuxième. Hop, tac. Là, tu as l'impression que c'est de la bière. Très clairement, pour toi, c'est juste un breuvage qui a été mis dans un flacon d'alchimie, mais il n'y a vraiment aucun effet, si ce n'est de te saouler plus rapidement. J'ai l'impression que je fais des jets de merde en vrai. Du coup, il n'y avait que ça. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. Non, mais il y avait que ça en tout cas. Et pour les autres objets, je pense que je les contrôlerai, mais à la prochaine session. Eh ben, ok, comme ça marche. Ça laisse un petit suspense. Ouais, du coup, alors la prochaine session, elle n'aura pas lieu ce mardi, mais mardi. Le 13 septembre pour la suite. Ok, une question, le médic il sera encore valable pour la suite ou on doit le cramer là ? Soit vous l'utilisez là, soit vous l'utilisez pas et éventuellement je rendrai les points à la commu. Autant le cramer moi. Bah, moi je suis pas blessé donc je vais pas voter pour ou contre. Ouais. Je suis neutre là-dessus. Après il y a. Il y a voilà. Le Puma qui est mal en point aussi. Non mais c'est surtout aux deux qui sont blessés de décider. Avec Groob on a rien pris. Ils sont trop forts. Genre, on est trop forts. Alors qu'on essaie de faire des escaliers avec des étagères. Ouais, mais moi, au passage, j'étais plusieurs fois au combat. Mais ça n'a rien. J'ai évité aucun combat. C'est pas faux, ce coup-ci, t'en as évité aucun. Pas de ma faute si je viens de l'île des snipers. Je suis le roi des snipers. Touché. Faire des dégâts. J'avais du gel cœur là. Alors... J'ai toujours appris ça dans ma connaissance. Non mais moi j'ai trouvé ça très réaliste. Faut savoir que j'ai refait Final Fantasy VIII au moins le début récemment. Et dans Final Fantasy VIII, à un moment donné, ils te mettent dans ton équipe un tireur d'élite. Le tireur d'élite, au moment de tirer, il n'est pas capable de faire quoi que ce soit correctement. Oui, je me rappelle. Il faut respecter les tireurs d'élite de Pathfinder, voyons, tout le monde les connaît. Ouais, c'est vrai que... Ouais, bah toi, t'es plutôt un tireur de litre. Bon, alors, est-ce que, justement, ce serait pas le moment de s'arrêter ici, hein ?
totalement. On attendait juste de savoir si Pume décidait d'utiliser le médic ou pas. Bah ouais. Moi je suis pour parce que quand on a besoin, mais. Parce que lui, depuis le temps qu'il fait la serpillière. On attend que lui, vraiment. Oui, tu ralentis le groupe. Oui, mais j'ai survécu, moi. Parce qu'on est là pour t'aider. Alors, je tiens à dire que si vos personnages ont survécu, c'est grâce au sacrifice de Ronin. Ouais. Donc je ne te permets pas de mettre en avant ton sacrifice. J'ai fui. J'en profite aussi pour regarder votre XP, je pense, parce que notamment, peut-être Pimchon peut pas éventuellement passer niveau 3. Alors... Ah, il va y avoir des différences dans les niveaux. Bah ouais. Mais vu qu'il a gardé son perso, j'allais pas lui remettre à zéro. Ça a été vraiment ignoble. Du coup, après, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme zone? Vas-y, on a fait le warg, les rats et les squelettes. Non, mais moi, il faut que je réfléchisse. Donc, c'était hop. Sachant que les rats, il a 16... même pas le temps de les voir. Bah, techniquement, il a pas l'XP des rats. Si. À 16. Ah, si on veut commencer à jouer avec des différences de niveau, s'il participe pas au combat, pas au combat. Mais oui, mais vu que vous avez refait des persos, bon. C'est pas moi c'est parce que je suis mort, c'est pas comme les deux autres qu'on refait un perso en abandonnant leur XP. C'est vrai. On en discutera hors stream. De toute façon, il n'y aura pas ça, du coup, vous allez récupérer 140 XP. Si je me trompe pas. Ouais, 140 XP. C'est nul. Mais ouais, après, c'est des décisions difficiles à prendre. Hein. Enfin, voilà, le gars qui a survécu, qui du coup et les autres qui, parce que arriver, moi tu vois, j'ai un problème, tu vois, au fait que du coup tu crées des nouveaux persos, tu arrives déjà niveau 2 avec 731 XP. Ouais, mais bon, c'est. On verra. Rien n'est définitif, on verra. On verra ce qu'il en a pour le mar. Ils sont tous niveau 2. On prendra les décisions à tête reposée avant la prochaine séance. Voilà. Écoutez, je suis assez d'accord parce que du coup tu vois. D'accord. Non, mais même si c'était dans l'autre sens, même si c'était moi le seul qui était resté debout. Ça veut dire que tu vas devoir faire un calcul différent par truc. Allez. Et techniquement, ça change aussi les FP global pour les niveaux de difficulté et tout ça qui sont déterminés par rapport au FP. Ouais, mais je vais raconter avec le groupe IT3 s'il y avait 4 niveaux 3. Je rigole. Ah ouais, non, mais. Bah oui, non, allez, mettez-vous. T'as combien d'XP à Pim? 921. Bah après, mettez-vous à 921. On va rajouter les 140. Mettez-vous à 921, allez, c'est bon. Hop. Non, mais je mettrai des ennemis. Je mettrai des ennemis d'élite pour vous tuer tous. Après, ça peut être justifié par le fait qu'on a affronté les trucs avant d'arriver et de rencontrer ça. Hein. On a eu nos propres aventures de nos côtés. Oui, non, mais. Après, aussi, j'avais dans l'idée de remettre au niveau 2 pour tu vois, réadapter avec la campagne sans me casser la tête à adapter les autres rencontres. Du coup, je me disais que c'était plus ça, mais bon. Mais laisse-nous être un peu plus fort quand on est au même niveau, on meurt. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, vu comme ça. Mais après, non, je vais sans doute équilibrer les rencontres. Hein, pour. Au pire, non. Je verrai. Ça va s'adapter tout seul. Mais oui, ouais, mais en fait, moi, c'est ce que je te disais, Dalvin. C'est du coup, par exemple, tu vois, les prochaines rencontres, elles vont être beaucoup plus simples. Et du coup, il y aura moins ce sentiment, tu vois, de rencontrer un ennemi qui est, comment ça s'appelle? Tu vois, si t'as une menace sérieuse, du coup, ta menace sérieuse, c'était ça. Mais bon, pas grave. De toute façon, ce qui compte, c'est que bon, si les joueurs préfèrent comme ça, on fait comme ça. Moi, ce qui compte, c'est que les joueurs s'amusent, du coup, c'est tout. Bah alors, on peut faire aussi si on touche les monstres, ils meurent. Hein, ça va nous amuser aussi. Ouais, mais, et aussi, si les monstres vous touchent aussi, vous mourrez. Ah bah non, là c'est pas drôle. alors oui, mais on a l'initiative automatique. Ouais, bien sûr.
et vous rentrez dans la ligne de commande, cheat, machin. Non, on va faire comme ça, et je pense, ouais, vous avez raison, c'est mieux. Je vais juste rentrer dans la ligne de commande God Mode, hein, c'est tout. Alors, par contre, vous avez combien en XP? Juste pour info. 921. Il nous a dit 921. Écoutez, allez, je vais faire un truc que je fais jamais d'habitude, mettez-vous niveau 3. Ça, vous pourrez passer niveau 3 pour la prochaine séance. Le mec, il y a 2 secondes. Du coup, vu que vous êtes une grande majorité, mettez-vous niveau 3. Mettez-vous niveau 3, ça vous faites votre passage de niveau et comme ça sera mieux, quoi. Allez, yes, mes attaques à main nue deviennent magiques. Let's go. Du coup, merci à tous. Je déplace plus vite. Yes. Du coup, merci à tous d'avoir suivi cette partie. Donc, rendez-vous le 13 septembre pour la suite. Profitez bien de votre semaine. Et on se retrouve toute la semaine pour d'autres streams. Et voilà. Je vous dis ciao à tous. Bye bye. Je vais essayer de regarder s'il n'y a pas d'autres personnes qui streament du JDR. À qui on pourrait renvoyer des petits en l'occurrence. Il faudra faire une liste d'Alvin des streamers de JDR. De Pathfinder. Alors... Écoutez, je vous laisse vaquer à vos occupations et choisir vous-même. Des bisous. Bye bye. Bye bye. Salut.